Chers amis, heureux de vous retrouver sur cette chaîne du Jardin du Curé, hébergée par l'Homme Nouveau et toute son équipe. Toujours au début, je rappelle, il faut le faire, c'est rien du tout, il y en a pour 3 secondes. Vous mettez un pouce, vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné. Vous partagez, voilà, pardon, j'ai failli oublier. Et puis bien sûr, vous n'hésitez pas à mettre quelques commentaires. Tout le monde sait, je pense aujourd'hui, que plus il y a de pouces, plus il y a de clics, plus il y a de partages et plus il y a de commentaires et plus la vidéo est visible, me semble-t-il. Voilà, pardon pour ces questions d'intendance, mais elles sont importantes et nous poursuivons notre parcours et nous continuons à séjourner en Afrique du Nord chrétienne pour parler d'un deuxième grand personnage qui nous intéresse dans cette histoire, Saint Cyprien de Carthage, mort en 258, voilà, pour donner le calage chronologique. Si vous n'avez pas vu l'émission d'avant, allez voir celle qui concerne Tertullien, cet homme de feu, et on va voir aujourd'hui son antithèse en quelque sorte. Je ne dis pas son ennemi, mais son antithèse. Je rappelle donc cette église d'Afrique du Nord florissante, ses nombreux évêques, ses nombreux diocèses, ses œuvres, hélas aussi ses épreuves et ses difficultés. J'évoque pour commencer la persécution de l'empereur Dèce en 250. De manière très claire, on sent que disons, la société romaine sent que le nombre des chrétiens devient de plus en plus important, que les éliminer devient de plus en plus difficile, et donc, soit il faut accepter le christianisme, soit il faut donner un grand coup et s'en débarrasser définitivement, si c'est encore possible. C'est la deuxième solution qui va être envisagée par l'empereur Dèce, qui a besoin, parce que l'Empire est en crise, des guerres, des épidémies, des calamités, des querelles intestines, des coups d'État, bref, l'Empire va mal, il faut donc se regrouper, il faut faire corps autour de l'Empereur et de la structure originelle et de la structure politique, et donc tout le monde doit revenir dans le seul chemin de la religion païenne. Donc l'Empereur Dèce décrète que les citoyens iront sacrifier aux dieux, que c'est obligatoire, que chaque citoyen devra pouvoir montrer un pass sacrificiel, un libelle qui fera preuve de son sacrifice. Voilà. Alors, on sait, comme on est bien placé pour savoir de ce genre de situation, les réactions sont diverses, les réactions sont variées. Bien sûr, il y a toujours la possibilité de filer un bakchich à la personne de l'administrateur, mais là aussi, déjà première réflexion qui peut nous arrêter une minute. Bon, quel sens peut avoir le fait de tricher dans ce domaine-là? On ne juge ni les reins ni les cœurs, mais bon, est-ce que c'est pas cautionné quand même? Est-ce que c'est pas une forme atténuée de complicité? Bon, on peut discuter, on peut réfléchir, voilà. Et certains le faisaient ostensiblement, d'autres se débrouillaient parce qu'ils avaient des relations dans l'administration pour le faire quand il n'y avait personne. Bon, bref, voilà, tout un tas disons, d'attitudes et de réactions différentes, mais qui conduisent toutes derrière l'apostasie. En tout cas, très clairement, pour l'Église, sacrifier à l'idolâtrie est impossible, c'est ce que l'on appelle le péché d'apostasie. Rappelons, là aussi, pour faire des allers-retours avec notre époque, quoi que l'on ne l'évoque moins, l'apostasie, le rejet de la foi, pour un baptisé, pour un catholique, pour un chrétien, reste un des péchés majeurs. Il n'y a pas que les péchés moraux. Hein, il n'y a pas que ce qui concerne la morale conjugale ou la morale familiale, ou même la morale financière, économique. L'apostasie est un péché majeur, rappelons-le quand même, c'est important. Celui qui est tombé dans ce péché, dans cette trahison, est appelé, à l'époque, ce sont les lapsi, ceux qui ont trahi. Alors,
Comme je l'ai déjà dit, les persécutions n'ont pas duré indéfiniment. Hein, ça a été comme des espèces de coups violents, de crises collectives. Quand c'est terminé, quand l'Église peut reprendre ses activités, qu'est-ce qu'on fait ? Que faire ? Alors il y a plusieurs solutions. Vous vous rappelez ce que j'ai dit à propos de Tertullien ? Certains pensent que c'est le péché contre l'esprit, irrémissible, et que les gens se débrouilleront avec le bon Dieu après, mais qu'ils ne font plus partie de l'Église. L'évêque de Carthage, Saint Cyprien, qui est devenu évêque aux alentours des années 248, on ne sait pas beaucoup de choses sur sa jeunesse et sa formation, en tout cas, il est devenu évêque de Carthage, la grande ville de l'Afrique du Nord. Lui est pour une pénitence sévère. Être pénitent devient un statut dans l'Église, au même titre que les catéchumènes. L'accès à l'Eucharistie est limité. Les personnes, éventuellement, sont astreintes à des œuvres de charité pendant, selon la gravité du geste, sa publicité, son caractère scandaleux. C'est évident que quand c'est un évêque qui a trahi, ce n'est pas la même chose que quand c'est une petite vieille dame qui a fait ça parce qu'on l'a bousculé ou qu'on l'a amené de force, ou que ses enfants l'ont amené de force. Donc, selon les cas, pénitence plus ou moins sévère, plus ou moins longue, avec plus ou moins de... Voilà. Mais qui conduit, au bout d'un certain temps, à la réconciliation avec l'Église. Les sectes rigoristes, Tertullien, Novatien et d'autres, disent non. Saint Cyprien, dans le doute, parce que les opposants à Carthage sont puissants et ont une voix forte, consulte l'évêque de Rome. Alors il se trouve qu'on est entre deux pontificats, mais en tout cas, à Rome, on lui fait répondre que on est d'accord avec sa position et que de toute façon, un concile, une réunion d'évêques de la région de Rome va avoir lieu et qu'on tranchera définitivement la question. Voilà. Donc, à cette occasion-là, ce qui est beau de voir, c'est le réflexe de Saint-Cyprien qui conduit à cette décision commune et à une pénitence qui, peu à peu, on le verra aussi dans la suite de l'histoire, va conduire de cette pénitence très sévère, très unique dans la vie, qui conduit à un statut canonique particulier, à une pénitence beaucoup plus fréquente. Enfin, il va falloir des siècles pour qu'on arrive à ça. Cela interroge aussi, pour faire un autre aller-retour avec notre époque contemporaine, sur le statut des personnes qui se trouveraient dans des situations canoniques ou vis-à-vis de l'Église, dont elle serait pour elle impossible de sortir. Pense aux divorcés remariés, avec charge d'enfants, des situations bien douloureuses, etc., mais dans lesquelles on pourrait imaginer qu'en effet, ces personnes, sans être rejetées par un jugement moral extérieur pharisien, enfin, on connaît le discours, puissent à la fois bénéficier d'une proximité avec l'Église, de la prière de la communauté, tout en marquant le fait que, dans leur situation, l'accès à la pleine communion n'est pas possible. Peut-être que dans l'époque actuelle, au lieu de se diriger vers des solutions peut-être de facilité, peut-être trop inspirées par le monde d'aujourd'hui, on aurait pu réfléchir à ça. Qui sait ? En tout cas, je vous soumets ma réflexion parce qu'il me pense qu'il y avait peut-être une piste dans cette direction-là, non pas par archaïsme, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas l'archaïsme en liturgie ou ailleurs, mais... Parfois, ce qui a été vécu dans l'Église à une époque, ayant pourtant disparu, pourrait être réenvisagé éventuellement. Voilà. Donc là-dessus, accord entre Rome et Carthage, entre les deux métropoles, Et donc c'est ça qui d'ailleurs va, puisqu'ils vont ensuite se retrouver dans le martyre l'un et l'autre, rapprocher les deux papes et il fait qu'on trouve au canon romain Corneille et Cyprien. Voilà. Malheureusement, oui, je disais,
un autre débat va éclater sur une autre question qui est la question du baptême des hérétiques. Un tel ayant été baptisé dans une secte qui n'est pas en communion avec l'évêque ou avec la communion générale, quand il revient dans la grande église, qu'est-ce qu'on fait ? L'église d'Afrique du Nord avait pris pour position, on rebaptise. Quelle que soit la secte, quelles que soient les croyances de la secte, quelles que soient ses pratiques liturgiques, qui parfois pouvaient être quasiment identiques à celles de la grande église, non, on rebaptise, on reconfirme, on redonne les sacrements. L'église de Rome dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. S'appuyant sur saint Paul, quand c'est Apollos qui baptise, c'est le Christ qui baptise, quand c'est Pierre qui baptise, du moment que la personne a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit avec de l'eau, le baptême est valide, et c'est la position qui s'installe dans l'Église jusqu'à aujourd'hui. Même si un certain nombre de chrétiens, de groupes chrétiens non catholiques, dans les églises orientales que l'on appelle orthodoxes, ou chez les pentecôtistes protestants, redonnent les sacrements. Mais la position traditionnelle, la position la plus ancienne de l'Église, c'est celle de ne pas rebaptiser. Donc, il va y avoir des querelles terribles, une dispute terrible, une sorte de presque de schisme enfin, entre Rome et Carthage. Et puis finalement, c'est la persécution qui va revenir et qui va réconcilier tout le monde. Et finalement, l'Église de Carthage adoptera la doctrine de l'Église de Rome. Et Saint Cyprien, qui avait dans le premier temps de la persécution adopté la solution d'aller se cacher à la campagne, finalement, lors de la deuxième vague de persécution, se laissera conduire au martyr et mourra martyr. Pour conclure, je vous invite, nous avons deux témoignages qui peuvent vous intéresser beaucoup et que je me permets de vous conseiller pour découvrir la personnalité de Saint Cyprien de Carthage. On a recueilli des lettres. Alors, il y a parfois des discussions théologiques ou des discussions sur le gouvernement de l'Église qui nous intéressent un petit peu moins, mais il y a de très beaux passages sur la foi, sur les sacrements, sur le martyr également. Et donc, on peut avoir un grand bénéfice à lire les lettres de Saint Cyprien de Carthage. Et puis, ceux qui me connaissent ne seront pas surpris. Figurez-vous que le Saint Cardinal Newman, a écrit un roman qui s'appelle Callista, qu'on doit trouver encore chez les bouquinistes, et qui raconte l'histoire d'une jeune fille. C'est un roman, alors à la manière des romans chrétiens du XIXe siècle, Covadis, Fabiola, il y en a d'autres que j'oublie encore parmi ces romans. Alors c'est un peu romantique, il y a une belle histoire d'amour aussi, donc ça plaira aux jeunes gens, mais le cardinal Newman avait une immense connaissance des pères de l'Église, de l'époque, et il raconte aussi l'histoire donc, d'une jeune fille. Je ne vous donne pas, comment vous dites aujourd'hui, le pitch de l'histoire, mais en gros, c'est une jeune femme qui se convertit, et puis qui arrive à convertir tout le monde autour d'elle, et puis ensuite qui est martyrisée. Voilà, et il y a en arrière-fond de toute cette histoire, le personnage de Saint-Cyprien, par le cardinal Newman qui avait creusé ses lettres. Voilà, c'est là aussi un aller-retour, et puis c'est plus facile à lire que les lettres de Saint-Cyprien, et c'est un beau témoignage. Voilà, merci de votre écoute, merci de votre fidélité, et à très bientôt, j'espère.